formule par cœur, hein? Là aussi. Es-tu prête pour ta présentation? Ah non, j'ai complètement oublié. Ça d'ailleurs, c'est pas si dur. T'as juste pas besoin de sortir de la classe en pleurant. J'écoute la pause. Hein? Je m'en vais à Delia, je suis pas capable de finir le français à pleurer. Attendons d'entendre, ouais, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Adrienne, c'est-tu vrai? Oui, mais là, faut que j'aille retrouver. Mais allô? Odie, je m'excuse, j'aurais pas dû parler comme ça. Tu sais, Adrienne, que la chose la plus difficile après le divorce de mes parents, c'est fait comme si rien n'était. Ouais, mais je t'ai ami, tu peux faire confiance. Je sais, mais Maëlle et Tristan sont en 7 ans. Je sais, mais ignore là. Tristan, on devrait aller s'asseoir à côté des autres et les tannis. Mais là, ouais, ma mère, c'est pas, c'est pas. Mais c'était tant que tu sais pour elle, va t'asseoir avec les autres. OK. Wow, merci. De rien. Les miens se sont séparés l'an passé. Je te comprends que je m'excuse en tout, ma chambre. C'est correct. Qu'est-ce qu'on fait pour cette semaine, nous autres? Je sais pas. Bon. OK, la prochaine sur la liste, Odélia Parent avec sa présentation sur la bipolarité. Je pourrais-tu dire quelque chose avant de commencer? Oui, oui, vas-y. Bon, ben il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ma vie, puis je voulais juste vous expliquer un peu pourquoi que je suis plus silencieuse ou des choses comme ça. Ben mes parents se divorcent, puis ça me fait vraiment gros de peine à cause que je vis avec ma mère, puis je m'ennuie vraiment gros de mon père. Mais il y avait juste Andréane qui le savait, fait que le bête. Bon, ben merci, Odélia. Je pense que ça va aider les camarades de la classe à mieux comprendre ce que tu vis. Bon, pour ta présentation, écoute, je viens de m'apercevoir qu'il reste juste comme 2 minutes, là. Ça fait qu'on va la faire demain matin. La première chose en rentrant, ça va être ta présentation. Okay. Mais tout de suite, fait que les autres, vous pouvez y aller. On va se voir demain matin, OK? Désolée, Odile. Si j'aurais arrêté. Correct, Maëlle. Mais merci de t'excuser.